Good morning, allez, Idan et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Mori de Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Melachot, Perek Zayin Mishnah Aleph. Atoda, Haïta Ba'a, Chamesh Sein Yerushalmiyot, Shehen, Shesh Midbariot, Shte Efot, Vaifa, Shalosh Sein, Esri Misaron, עשרה לחמץ ועשרה למצה. עשרה לחמץ, עיסרון לחלה. ועשרה למצה, ובמצה שלוש מינים, חלות ורקיקין ורבוחה, נמצאו שלושה עשרונות ושליש לכל מין. שלוש חלות לעיסרון. במידה ירושלמית היו שלושים קו, וחמישה עשר לחמץ, וחמישה עשר למצה. 15 לחמץ, קו וחצי לחלה, ו-15 למצה, והמצה שלוש מינים, חלות רוקיקין ורבוחה, נמצאו חמשת קבים לכל מין, שתי חלות לקו. Mishnah qui fait plus peur que ce qu'elle est réellement, c'est très simple. Et ce qu'on va faire, c'est de ne pas étudier la Mishnah, on va d'abord commencer par étudier les psukim de Parashat Tsav, Perek Zayin, à partir du pasuk Yud Aleph. La Torah, elle précise. Elle prescrit comment apporter le korban toda, un korban particulier lorsqu'il fallait reconnaître à Hachem qu'il a guéri quelqu'un, qu'il a fait sortir de prison, qu'il a fait réussir un voyage, traverser le désert. Alors, il devait ensuite apporter un korban toda. Lorsqu'il apporte le korban toda, alors la Torah prescrit, d'abord le korban toda c'est une sorte de korban shlamim, où il va y avoir une part pour le misbar, une part pour le kohanim, et l'essentiel de l'animal qui va être consommé par lui-même, en un jour et une nuit, c'est-à-dire la journée qui suit et la nuit qui suit uniquement, il va devoir apporter aussi avec eux 40 pains. 40 pains, c'est 10 et 30. On va prendre la quantité de farine requise qu'on va voir justement dans notre Mishnah qui rallonge tellement, qui avait une mesure de 2 eifa, donc ça va nous faire 20 isaron. Il devait prendre la moitié, en faire des chalot chametz, des pains chametz, et l'autre moitié, apporter des pains matzah, on en apportait 30. Il fallait prendre la deuxième, donc les deuxièmes 10 isaron qu'il y avait, la deuxième eifa, la couper en 3, la partager en 3, et apporter des chalot, rekikin, urvucha, trois sortes de matzah. Qui sont différents, comment est-ce qu'on les prépare. On a déjà vu chalot, rekikin, on a déjà vu la différence, est-ce qu'on mélange l'huile pendant la pâte, ou est-ce qu'on on étale l'huile, on badigeonne l'huile après la cuisson, ou... La revucha, c'est encore un autre mode de cuisson où il va falloir mélanger la farine avec de l'eau chaude ou mélanger plus d'huile dans la pâte. Deux explications dans le Rambam, selon le Rambam, ou le premier pirouche dans le Barthénois. D'accord ? On fait ça avant d'entrer à Rabbinon dans les psukim d'abord. Vezot Torah Zavach HaShlamim, Asher HaKri Ulashem. Tel le korban des Shlamim. Lorsqu'il voudra la porter, la Torah continue en disant « Imal Toda Yakrivenu » aussi voudra faire un korban Toda « Vehikriv al Zevach HaToda » il devra apporter avec le sacrifice de la Toda « Chalot Matzot Belulot Vashemen » des chalot cuits en matzah qui n'ont pas fermenté « Belulot Vashemen » pétri avec de l'huile « Urkike Matzot Meshuchim Vashemen » et aussi des rikikim, des autres sortes de pain qui ont été cette fois-ci badigeonnés d'huile, des solet mourbechet, chalot belulot bashamen. Et aussi de la solet mourbechet. Alors le mot mourbechet, tel que c'est expliqué dans le Barthénois, c'est chalut abamaim, rachet aussi sur la Torah. Lechem chalut, il rapporte ici dans la Torah, des rotrim kol tsurko. Ça doit faire une sorte de pâte à choux, les choux, on les fait en mettant de la farine dans de l'eau chaude. Ça, je ne sais pas, ça fait une autre allure, je ne sais pas, c'est une autre qualité de pâte. D'accord ? Et en plus de ça, al chalot lechem chametz, tout ce que je t'ai dit de la portée, c'est en plus des chalot lechem chametz, écrit au korbanon, la sévère toda shalamav. Et après la Torah, elle me dit donc tu devras en faire, elle ne m'a pas dit combien en faire, mais elle me dit ensuite la Torah, écrit au echad mikol korban, tu devras apporter un de toutes les offrandes, c'est-à-dire en réalité de tous les pains que je t'ai dit, tu en offres un. Un de combien? On apprendra par exemple Shabbat dans notre Mishnah. Un pour 10. On va prendre une Xerashava avec la Troumat Maaser. Et là-bas, Troumat Maaser, c'est la part qu'on a donnée au Lévi. Le Lévi doit prélever de là
un deuxième dixième. On donne le dixième de la récolte au Lévi. Le Lévi prélève un dixième de ça, c'est ce qu'on appelle Troumat Maaser. Il la donne au Kohen, donc ça fait un dixième. Il donne un dixième de ce qu'il a. De là aussi, il faut faire un dixième de ce qu'il a. Donc, on va déduire aussi que je t'ai demandé d'apporter une Eifa et de la séparer ainsi. Et de là, tu vas former 10 pains de chaque espèce. De chaque espèce, tu vas en prendre un et tu vas offrir à Hachem. Écrire le nom Echad Mikol Korban Trouman Hachem, la Kohen, Azorek et Damashami, Oloye, et le reste. On va prendre de un pain, on va l'offrir à Hachem, c'est vrai, mais de le Kohen, il va. Ça va revenir au Kohen. D'accord ? On va s'arrêter là pour le moment, c'est pas la peine de dire plus. On a donc découvert maintenant comment est-ce qu'on fait le Korban Toda avec les 40 pains. La Mishnah maintenant, elle fait peur, mais c'est très simple. Elle va tout simplement s'occuper de nous donner exactement les mesures exactes selon la Torah pour chaque pain, chaque espèce de pain, si c'est le pain chametz ou si c'est le pain matzah, et donc nous donner son volume de farine qu'il y aura dedans, en l'occurrence, en l'exprimant chaque fois selon les midot yerushalmiot et midbariot. On reprendra très très rapidement maintenant la notion qu'on a évoquée hier. Atoda ita ba'a chamesh se'in yerushalmiot. Lorsqu'on apportait un korban toda, il fallait l'apporter avec 5 se'a yerushalmiot. La se'a, la mesure d'une se'a, mais de Yerushalayim, qui correspond à l'été, et shehen shesh midbariot, qui correspond en fait à 6 midbariot. 6 se'a que l'on utilisait dans le désert. Shte efot au total, qui avait en tout shte efot de la Torah. Il fallait utiliser 2 efot, une efa, ouais, on a efa et se'a. Et vea efa, shalosh se'in, et dans chaque efa, il y a 3 se'a, esrim isaron. Et après, on laisse ça de côté pour le moment. On répète d'abord très rapidement la notion qu'on a expliquée hier. Il y avait, la Torah nous a donné d'apporter toutes sortes de choses, de dons au Kohen, toutes sortes de poids et mesures mentionnés par la Torah. C'était un certain volume. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, en arrivant en Israël, comme on expliquait, pour des raisons que je ne sais pas exactement pourquoi, pour des raisons économiques, qu'est-ce qui les poussait exactement, en tout cas, on a changé les mesures. On a utilisé la même mesure initiale en lui gardant son nom, mais on a doublé sa valeur. Imaginez un petit peu, illustrer ça avec que on va prendre votre l'euro, on va dire désormais l'euro, il a une valeur de 2 fois plus. Ça veut dire que si avant on achetait ce standard à 100 euros, maintenant, alors sa vraie valeur, elle va tomber à 50 euros, puisque la valeur du 50 euros c'est devenu, on a doublé la valeur de l'euro. Donc maintenant, quand je vais avoir le 50, il va valoir 100, 100, 200, et ainsi de suite. Donc maintenant, sa valeur, officiellement, sa valeur va diminuer. D'accord ? C'est le principe. Alors, on avait la même chose avec la CA du Midbar. La Torah nous a dit, quand tu fais le Korban Toda, tu devras apporter 2 EFA. 2 EFA de la Torah, ça correspond tout simplement à 6 CA. 6 CA, d'accord ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Yerushalayim, ils ont rajouté un sixième aux mesures. Un sixième, ça signifie qu'en réalité, on prend la mesure et on va la considérer comme 5 et on va lui rajouter le cinquième. De manière à ce qu'elle va augmenter, on va prendre... D'accord ? Ce qui se passe, c'est que donc 6 sont devenus 5. Et bien sûr, bien évidemment, le rapport entre toutes les mesures, entre la CA et le CAV, aussi on l'a changé. En parallèle, lorsqu'on va bouger la mesure de la CA, on va l'augmenter d'un sixième par exemple, et ben le CAV aussi on va l'augmenter d'un CA. Ça je vous l'annonce pour la suite de la Mishnah pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les 30 CAV. D'accord ? C'est pas compliqué, d'accord ? Alors ce qui se passe, concrètement, la Mishnah m'enseigne, ben, elle parle aux gens de Jérusalem en leur disant, ben, vous savez, vous prenez 5 kilos, 5 CAV, 5 CA, que vous connaissez tous, c'est quoi une CA ? 5 qui sont en réalité 6 selon la Torah. Parce que ça correspondait à 2 EFA, 6 de la Torah, ça faisait 2 EFA de la Torah. À Yerushalayim, il n'y avait pas de EFA. Non, il n'y avait pas de Asirita EFA, c'est autre chose. Shte EFOT, Vea EFA, Shalosh Sein. Et la EFA de la Torah, elle faisait 3 CA. Maintenant, on va convertir ça en Issaron. Puisque à Issaron Solet, on remarque souvent ce nom dans la Torah. Issaron, c'est Asirita EFA, un dixième de EFA. Donc, un dixième de EFA, mais de la Torah. Donc,
Esrim Isaron, puisque je t'ai demandé d'apporter deux éphars, ça signifie qu'il y a 20 dixièmes de éphars. 20 Isaron, Esrim Isaron. Le but de toutes ces conversions, c'est pour pouvoir aboutir maintenant à te donner la mesure exacte de chaque sorte de pain que tu vas apporter. Et là, la Mishnah va commencer à me dire. Donc, je t'ai demandé d'apporter Esrim Isaron, 20 Isaron, 20 dixièmes de Sea, de Eifa. Alors, Asara le Chametz, va Asara le Matza. Tu vas prendre maintenant ces 20, tu vas les partager en deux. Avec les 10, tu vas faire le pain Chametz. Et avec les 10 autres, tu vas faire les Chalot Matzot. Chalot, ou Kikin Matzot. Donc, Asara le Chametz, puisque je t'ai demandé de faire 10 pains avec le Asara Isaron, je t'ai demandé d'utiliser 10 Isaron pour faire les Chalot en Chametz. Il s'avère donc que Isaron et les Chala, tu te retrouves avec chaque Chala qui va avoir une mesure de 1 Isaron. Logique. 10 pains avec une mesure de 10 kilos, 1 kilo par pain. Donc 10 Isaron pour faire 10 pains, chaque pain 1 Isaron. Un Isaron, n'oubliez pas, un Isaron c'est la mesure de la Chala que nous on fait. Quand on prélève nous la Chala, 1,666 kg ou 2,5 kg, nos Ashkenazim, et ben voilà, c'est ça un Isaron. Donc il fallait faire les 10 Chalot comme ça avec un Isaron chacune. Asara, les Chametz. Isaron, les Chala. Ensuite, va Asara, les Matzah. Avec les 10 Isaron supplémentaires, tu vas les utiliser maintenant pour faire les Matzot. Qui sont en fait Uba Matzah, Shalosh Minim. Dans chaque Matzah, il y a trois espèces. Chalot, Urkikin, Urevucha. Trois espèces qu'on a vues dans les psukim. Chalot, c'est celui qui est pétri avec l'huile. Rekikin, c'est celui qu'on a fait cuire sans huile, mais qu'on a badigeonné ensuite un peu d'huile dessus. Et Revucha, c'est celle qu'on a fait, c'est le pain, regardez dans le Barthénois, il va vous le dire, le pain qu'on a fait Chaloutin Bemaim Rotrim. On a fait bouillir dans l'eau chaude, on a fait la pâte en versant la farine dans l'eau bouillante. Ou, selon Rambam, c'est qu'on a rajouté beaucoup plus d'huile dans la pâte. En fait, il y avait une quantité d'huile précise qu'il fallait couper en deux. On utilisait la moitié pour les 10 revucha et l'autre moitié pour les 20 de chalot et rikikin en même temps. En tout cas, nimtzeu shlosha. Alors maintenant, si on fait le bilan des matzot, on a utilisé 10 isaron pour 3 espèces. Donc nimtzeu shlosha isronot ou shlish lechol min. Il s'avère qu'il va y avoir 3 isaron et un tiers pour chaque espèce, puisque j'ai ma quantité de 10 isaron et 10 isaron, qui font en fait 2 efa. 2 efa, 10 isaron, tu as fait les pains chametz. Donc tu as fait les pains chametz, chaque pain chametz, il va te faire un isaron, c'est un gros morceau. Après maintenant, tu prends les 10 autres isaron, tu sépares ça en 3, donc ça va te faire 3, 33, 3 et 1 tiers pour chaque espèce. Donc, pour chaque espèce, je t'ai demandé de faire 10 pains. Ça va donc te faire, au total, par Isaron, 3 pains. Puisque 3,3 pour faire 10. Donc, ça va faire que maintenant, 3,33, d'accord? Donc, chaque pain, chaque Isaron, il va nous donner 3. Par Isaron, on va faire 3 unités, et 3 unités, et 3 unités, plus encore l'autre tiers qu'il y avait. Et on est arrivé maintenant aux 10 pains. C'est ce que la Mishnah me dit. Shalosh halot. Les Isaron. Donc on va se retrouver maintenant avec 3 chalot pour un Isaron. Voilà si on parle avec des mesures de la Torah du Midbar. Ce qui se passe, c'est qu'à Yerushalayim, il n'y avait plus de Isaron, il n'y avait pas cette mesure. Et la Mishnah veut parler pratique pour donner des instructions concrètes. Donc maintenant, on va revenir sur les Midot de Yerushalayim. Puisque je t'ai demandé de prendre 20 Isaron, il s'avère qu'en réalité, je vous annonce tout de suite ce qui va se passer, c'est que on va voir, donc on a dit que c'est 6 CA de la Torah qui font l'équivalent de 5 Yerushalmiot. 5 CA. Or, une CA, c'est 6 caves. D'accord ? Chaque CA, dans une CA, il y a 6 caves. Et même à Yerushalayim, parce que lorsqu'on a augmenté la mesure de la CA, on a aussi augmenté proportionnellement la mesure du cave, et la mesure du log et la mesure du beita. On les a tous augmentés. Alors, il s'avère maintenant que les 5 CA, ils vont me donner, en fait, il y aura dedans 30 caves.
c'est super, on a obtenu un chiffre décimal pratique, 30, qu'on va pouvoir diviser comme on veut. On va le couper en deux, ça va nous faire 15 pour le Hametz, 15 pour les Matzot. Et les Matzot vont en faire 5, 5, 5. Et chaque Chala, elle va nous faire la moitié en fait. D'accord ? C'est ce que la Mishnah va nous faire, regardez. Maintenant, Bemida Yerushalmit. Alors maintenant, si je veux traduire tout ça en Midot Yerushalmiot avec la mesure du Kaveh Yerushalayim, Ayush Loshim Kav, il s'avère qu'il y avait 30 caves. Comme ça, on a fait le calcul. Chamisha Asar le Chametz, avec 15 tu utilises pour faire le Chametz, le Chamisha Asar le Matzah, 15 tu utilises pour faire les Matzot. Chamisha Asar le Chametz, Kavachetze le Chala. Puisque maintenant je te demande de faire 15 avec le Chametz, prends 15 et partage-le en 10, ça va te faire 1,5. Kav Vachetzi. Un kav et la moitié d'un kav, donc deux logs, mais on s'arrêtait là pour les conversions. Donc un kav et demi pour chaque chala. Vachamisha asar les matzah, et avec les 15 autres supplémentaires, tu vas faire la matzah. De quelle manière? Va matzah shlosha minim. Dans la matzah, il y a trois espèces qui sont chalot, rikikin ou vucha, comme précédemment. Chalot, pétri à l'huile, rikikin, ouin à l'huile, badigeonné d'huile. Ou revucha, pétri avec de l'eau bouillante. Nimtzeu chameshet kavin le kolmin. Il s'avère que maintenant tu vas avoir, concrètement, 5 caves de farine, de semoule, de farine, pour chaque espèce. Et donc, shtei chalot le kav. Tu vas réussir à tirer donc ainsi, pour chaque cave, tu vas nous faire 2 chalot. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, V'Salam.